Eh bien salut tout le monde, c'est Hardvec, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Call of Duty World War 2. Alors, avant de commencer une partie, je tenais à vous dire que ce Call of Duty World War 2 me fait vraiment kiffer. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas kiffé un Call of Duty. Depuis le Black Ops 2, je crois que tous les autres Call of, j'ai pas trop kiffé. Donc c'est d'ailleurs pour ça que sur ma chaîne il n'y a pas eu énormément de Call of Duty. Le passage de la Seconde Guerre mondiale, franchement, c'est vraiment le... Ce qui me fait kiffer, de plus avoir de jetpack, d'avoir un gameplay au sol, ça c'est vraiment kiffant de retomber là-dedans. Et en plus de ça, la Seconde Guerre mondiale, c'est un passage de l'histoire que j'aime beaucoup. Je trouve ça encore très intriguant. J'ai déjà vu beaucoup de trucs, appris beaucoup de trucs sur la Seconde Guerre mondiale, mais on a toujours des choses à apprendre de cette époque. Et donc, nous allons passer donc à une petite partie en match à mort par équipe. J'espère que je vais trouver une partie assez facilement, parce que là, je recorde samedi après-midi, donc on est le week-end, il doit y avoir beaucoup de monde sur les serveurs. Et comme le jeu vient tout juste de sortir, les serveurs laguent un peu, ont vraiment du mal. Mais ça, c'est comme tous les Call of Duty, tous les ans, à chaque fois, les serveurs ont du mal. Il y a tellement de monde, les gars qui se connectent. C'est hallucinant. Donc j'espère que je vais trouver une petite partie en match à mort par équipe et je vais essayer de me la péter un petit peu les gars, parce qu'aujourd'hui, du moins aujourd'hui, j'ai débloqué hier le camouflage or sur le sniper, donc mon premier camouflage or sur le sniper Enfield, donc le deuxième sniper qu'on peut débloquer. Donc voilà, on va tester ce petit sniper avec le camouflage or. Je vais essayer de trouver une partie en match à mort par équipe et je vous dis à tout de suite. Ok, donc là on trouve une petite partie en match à voir par équipe sur la map Gustav Cannon. Alors j'aime pas trop cette map là, elle est vraiment destinée pour le sniper, mais c'est pas trop une map qui me fait vraiment très kiffer. Mais bon, elle est quand même pas mal. C'est pas ma préférée, mais elle est quand même pas mal. Alors j'imagine que la partie va déjà être commencée, parce que je viens de rejoindre une partie, j'ai déjà eu du mal à rejoindre une partie, mais à mon avis celle-ci elle est déjà commencée. À mon avis, quelqu'un qui a rage quit et j'ai pris sa place. Ah non, ça a pas l'air. Ah si. Si si. Match à mort par équipe. Alors ça va laguer, hein. C'est sûr, info sûr. Je vais avoir un peu de mal à mon avis. Juste baisser peut-être un petit peu le son du gameplay. J'ai l'impression qu'il est un peu trop fort. Voilà. Peut-être que là c'est bon. Allez, on est type A. Alors le sniper en or les gars, bon, il est plutôt pas mal. Hein. Moi j'aime bien, il est bien fait l'or en tout cas. L'or est bien fait, il brille bien. Je le trouve plutôt stylé. Alors j'ai gardé la lunette d'origine, hein. J'ai pas mis la x4. Allez, premier frag. Donc voilà ce que j'ai dessus, chargeur XXL. Je peux tirer plus rapidement, du moins recharger plus rapidement. Et balle blindée. Donc ça c'est avec... Je peux mettre 3 atouts en fait, c'est grâce à la division infanterie. Dessus, sur mon arme principale, je peux mettre 3 accessoires. C'est pas très utile. Hop, ça dégage. Bon, ça va, ça a pas trop l'air de laguer. Quand je frappe, ça part direct. Ah. Un peu de mal, là. À mon avis, il fait le tour. Ah! Ah, j'avais pas vu celui-là. Je l'avais pas vu. Allez, on va essayer de. On va essayer de faire une belle partie. Il y a quand même des bons. Les flashcops passent plutôt quand même pas mal. Les quizcops, c'est encore pire. Ça passe vraiment bien. Et ça, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Comparé aux autres codes, les snipers étaient plutôt. Moins privilégié, on va dire. Ah! J'ai du mal à l'avoir, lui. Il reste là, lui. Ah! C'est ma première partie en plus, les gars, c'est chaud. J'ai même pas eu le temps de m'échauffer avant.
Appareil de reconnaissance ennemi repéré. Bombe ennemie larguée, à couvert. Oh la vache, les gars, je galère. Ah bah oui, il est avec nous, gros. Ne t'étonne pas que je peux pas le tuer. Je voyais pas son nom derrière. Tire d'artillerie ennemie. Alors, cette petite grenade là-dedans. Ah, ça monte. Ah, ils ont un... J'allais dire un drone, mais les drones n'existaient pas, les gars, encore. Enfin, quoi que si, les drones existaient, mais... On n'en a pas dans le jeu. C'est des avions. Il dégage. Ah, à mon avis, les gars, en face, il est hors du monde. Ah, c'est dommage. J'aimerais bien faire une petite kill cam en plus. Ah, il y en avait un gauche en plus. Je savais pas sur lequel tirer. Alors, quand je record, j'ai toujours un peu de mal à bien jouer, les gars. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je parle en même temps, je suis pas très très concentré. Alors, au niveau de la sensi, les gars, je voulais vous montrer. Je crois que je suis en 9, un truc comme ça. Je suis en 9 au niveau de la sensibilité. Pour ceux qui voulaient voir. Mais après, chacun a son. A sa sens. Sa sensibilité, c'est pas c'est un peu compliqué à dire. Petit marqueur, ça fait plaisir. Donc le Enfield, quand même, il fait beaucoup de hit marqueurs, je trouve. Ah. En plus, avec le Enfield, on one-shot à partir de la taille. Et là, franchement, je pensais pas que je l'avais tiré sur le pied. Mais bon. Des fois, faut pas se demander. Le mec, il avait que la tête qui dépassait, les gars. Je pense pas que je lui ai tiré dans le pied. Mais bon, des fois, faut vraiment pas se demander. Des fois, les connexions, ça joue aussi beaucoup. On va passer par là. Il y a des mecs de l'autre côté. Ok. Si on avait un petit drone, là, ce serait pas mal. Allez, tu dégages. Non, mais non, gros, ouais. Ah non! Ah, il m'a fumé en 2 secondes, lui, là. Quand même, des mecs sont assez chauds. Encore des niveaux 1, hein. Des mecs qui viennent tout juste d'acheter le jeu. T'es passé où, toi? J'ai même pas eu une médaille. Ah si, j'allais dire une médaille double élimination quand même. Y'en a un qui est passé là, je pense. Ouais. Pareil de reconnaissance, prêt. Ah, t'es passé où, toi? Il est resté dans son truc. Ah, il est passé où, lui? Eh gros! Stratégie parée, largage à votre signal. Alors, ce qu'il faut savoir. Ah, il reste plus qu'un frag, j'aurais pas le temps. J'aurais pas le temps de lancer mon truc. J'avais un colis! Je suis dégoûté! En plus, on la perd. Oh là là. Est-ce que j'ai fait une petite kill cam? Non, même pas. Alors les kill cam, oh, il a quoi comme casque? Il a un casque rouge, lui. Ou alors il s'est fait démonter, il s'est pris un petit headshot, il a du sang plein de casque. Alors les kill cam, en fait, ils prennent que la kill cam, enfin du moins la kill cam la meilleure de toute la partie. Donc un petit 15-7, c'est plutôt pas mal. On a joué au sniper, je trouve que c'est plutôt pas mal pour la première partie de la journée en plus. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo avec le sniper en or vous aura plu. N'oubliez pas de lâcher un petit j'aime, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sinon, je vous dis à la prochaine, ciao ciao, salut tout le monde.